Moadonienne, Moadonien, bonsoir et bienvenue dans ce JT Moadon sur Moadon TV. Au sommaire ce soir, Ezorim en France et ses généreux donateurs. Section sport, tricherie au Maccabiade. Reportage, nous avons tenté de suivre des accros au chocolat. Et enfin, un petit point météo avec notre fidèle serviteur Sébastien Folden. Nous commençons ce journal par une enquête en caméra cachée sur un généreux donateur anonyme et sa femme qui ont décidé d'offrir 10 000 shekels pour Ezorim, et oui, ça en fait de l'argent, un reportage de 20 centimes et Macbouba. Lundi, quartier du Châtelet. Le riche donateur David Ben Rosenblum et son épouse Kate se rendent à la banque un chèque de 10 000 shekels à la main. D'après lui, je cite, « La vérité, ça me fait plaisir, c'est pour Ezorim, et puis c'est défiscalisé, non ?» Mais à 17h, un malfrat, un voyou, un brigand, bref, quelqu'un d'Yanif s'approche une date à la main pour le détourner. Donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi. Ah non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il rend le chèque. Hein, on les voit en train de se serrer la main. Ah, tout est bien qui finit bien. Ah là là, quand la cause est juste, les parties sont toujours solidaires. Je vous rends l'antenne sur cette belle phrase tirée de Suits. À vous les studios. Merci Mac pour cette belle preuve de solidarité que nous avez montrée en image ce soir. Société, notre reportage a tenté d'infiltrer une colo accro au Kinder Bueno. Nous sommes en direct avec John Duff, notre reporter sur place. John, quelles sont les nouvelles à Gaillac ? Oui, donc tout à fait Thierry, nous sommes à Gaillac où nous recherchons la colonie de vacances. Alors là, je suis à la recherche d'animateurs, c'est un peu difficile. Oulala, oulala, attendez, attendez monsieur. Oui, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis très très pressé, on cherche des Kinder pour la colo, il y en des a qui Kinder, c'est, ouais, c'est la crise. Et vous allez où alors? Ouais, on va chercher des Kinder au centre. Voilà. C'est fermé, on va chercher. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé, il faut chercher d'autres centres commerciaux. Oui. Mais comment ça? C'est fermé. Donc Thierry, voilà, nous venons de croiser un des animateurs. Comme vous voyez, c'est un peu compliqué de parler avec eux, de dialoguer avec eux. Et donc je vais essayer de le suivre quand même, on verra. Je vous tiens au courant. Salut Thierry. Merci John pour ces informations très précieuses que vous venez de nous communiquer. On revient vers vous très très vite. Sport. Tricherie au Maccabiade. Un enfant a pris une substance illicite aux yeux des arbitres moadoniens. Cette enquête est signée Chuck Chuka et Mélanie Zetoffray. Nous sommes en ce moment même en pleine demi-finale avec malheureusement une défaite pour l'équipe des Couscous Boulettes. Je me suis entendu dire que son coach avait une solution radicale pour faire gagner son coureur. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore perdu les Maccabiades, j'en peux plus! C'est pas possible, bouge pas! J'ai une potion magique! Je vais gagner? Tu vas tout gagner. Non, je te crois pas. Ouvre la bouche. N'aie pas peur, ouvre. Je ne sais pas quelle est cette substance, mais une chose est sûre, ici c'est la folie, car l'équipe des Couscous Boulettes vient de gagner la finale des Maccabiades 2014. Bravo à eux, félicitations. Je vous rends l'antenne, Thierry, à vous les studios. Nous revenons vers vous, John. Avez-vous réussi à trouver la colonie de Gaillac? Oupla! Oui, excusez-moi Thierry, bonjour. Alors, je me retrouve devant un franc prix pour essayer de retrouver un autre animateur si possible, car c'est vraiment très difficile de... Oh là là, j'en suis jamais arrivé. Excusez-moi, je suis hyper pressé. Vous êtes animateur? Oui, oui, mais là, il faut des Kinder, Mais expliquez-nous. On en a plus de Kinder pour la colo. On a plus de Kinder pour la colo, il nous faut absolument des Kinder Bueno. Mais alors, expliquez-nous, mais qu'est-ce qui se passe? Mais des Kinder, il faut vite des Kinder, désolé. Mais non, attendez-moi. Encore une fois, Thierry, je me retrouve un peu dans la patate. Alors, franchement, j'arrive pas à trouver d'autres animateurs. C'est très difficile de leur parler. Donc, je ne comprends pas où est cette colo. Je vais essayer de vous en dire plus. D'ici là, au revoir, Thierry. Encore une information très précieuse, cruciale, je dirais même. Nous vous remercions, John. On vous rappelle dès qu'il y a du nouveau. C'est l'heure de notre petit point météo avec Sébastien Folding. À vous, mon petit Seb. Oui,
bonjour Thierry, alors nous sommes à Saint-Sauveur où il fait un temps radieux. Franchement, nous attendons les enfants d'ici quelques minutes où vraiment, j'espère pour eux qu'ils ont mis de la crème solaire parce que d'après la météo, nous attendons une grosse canicule dans les prochaines semaines. Donc faites attention, sortez protégés, attention à vous. Retour en direct avec John, on me dit dans l'oreillette située dans l'oreille gauche, que vous avez réussi à intercepter des animateurs, dites-nous tout. Oui, alors Thierry, je viens de trouver un stratagème pour essayer d'attraper des animateurs. On verra comment ça marche. Pour le moment, cela fait déjà 3 jours que je suis ici, posté là comme ça. On verra bien. Là, attendez. Les Kinder. Oui, j'ai attrapé 2 animateurs de... Vous êtes bien à la colo de Gaillac? Oui, c'est ça, les Kinder, pas sur les Kinder. Oui, mais alors, on rigole pas, le Kinder. Oui, oui, Kinder. Alors, mais oui, mais expliquez où se trouve la colo de Gaillac? Par là-bas. Oui, c'est mon allez. Kinder, hé hey. Ah oui, Kinder. Je rends l'antenne, Thierry, à vous les studios. Rendez-moi mon Kinder. Merci John pour ce direct exclusif et ce stratagème plus qu'ingénieux que vous avez trouvé là. Ce journal est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis sur Modern TV. Bonne colo à tous. A ciao, bonsoir. On vous la souhaite bonne. Let me stop by. The clock is ticking.